Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tous et à toutes. You are blessed, you are blessed, you are blessed. Amen. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu te connectes, bien-aimé, tu es béni ce soir. Amen. La grâce de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus. Yes. Alors, qui sont les bien-aimés qui sont déjà avec nous, qui sont les bien-aimés qui sont déjà connectés? Je vous invite, s'il vous plaît, à commencer à partager le direct au maximum. Bienvenue encore à notre édition spéciale ce soir. Amen. Alléluia. Que la grâce du Seigneur te localise. Que la puissance de Dieu commence à se manifester puissamment dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La puissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ sont avec nous ce soir et nous lui rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Qui est connecté, bien-aimé? Si tu es connecté, commence à me signaler ta présence en commentaire. J'aimerais te saluer ce soir de manière particulière. Commence également, bien-aimé, s'il te plaît, comme nous avons pour habitude de faire, commence à partager ce live au maximum. Invite le maximum de personnes à se connecter avec nous. Invite le maximum de personnes à venir recevoir leur délivrance ce soir. Parce que ce qui s'apprête ce soir, bien-aimé, c'est juste extraordinaire. Ce que le Seigneur est encore sur le point de faire ce soir, bien-aimé, viens et tu témoigneras de ta bouche. Amen. Les merveilles de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, quel qu'en soit le lieu où tu m'écoutes, quel qu'en soit le coin du monde où tu es connecté, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, amen, la grâce de Dieu est sur toi. La distance n'est pas une barrière dans le règne spirituel. La distance n'est pas non plus une limitation dans le règne de l'esprit, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu. Bien-aimé, nous savons et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est au milieu de nous parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, bien-aimé. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, bien-aimé, il accomplit. Ce qu'il promet, bien-aimé, dans le Seigneur, il le fait. Alléluia. Ce que le Seigneur promet, il le fait. Bien-aimé, si tu es connecté, s'il te plaît, commence à me partager le live, s'il te plaît. Commence à partager au maximum. Invite un frère, invite une sœur à se connecter avec nous pour recevoir ce soir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à Ada, tu es béni. Amen. Shalom à Driver, tu es béni. Zach, tu es béni. Alléluia. Marie-Claire, you are blessed. You are blessed. Vous êtes béni, bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes béni, vous êtes béni. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit allons dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Nous sommes dans la maison de l'Éternel actuellement. Quoique nous ne sommes pas réunis physiquement, mais nous sommes réunis en esprit. Amen, nous sommes réunis en esprit et le Seigneur est au milieu, il est au milieu, il est au milieu de nous. Alléluia, le Seigneur est au milieu de nous. Shalom à Brigitte, tu es bénie. Shalom à Tinda Udraogo, you are blessed. Alléluia, Raïssa Romain, la grâce de Dieu est sur ta vie. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ce soir, nous allons évoquer un sujet assez pointien, un sujet assez sensible. Nous allons parler du Dieu de la fécondité. Alléluia. Le Dieu de la fécondité, mets-le avec moi en commentaire si tel est ton partage, le Dieu de la fécondité. Si tu crois que le Dieu que tu sers est un Dieu de fécondité, mets-le en commentaire, le Dieu de la fécondité commence à déclarer cela dans ta vie. C'est ce que tu déclares, bien-aimé, qui vient à s'accomplir dans ta vie. C'est ce que tu déclares qui s'accomplit. C'est ce que tu dis qui se manifeste. C'est ce que tu dis qui se réalise dans ta vie, bien-aimé.
Alléluia. C'est ce que tu dis qui se réalise dans ta vie. Pendant que tu te connectes, la grâce de Dieu est sur toi. Pendant que tu me partages ce direct dans le maximum de groupes dans lesquels tu es abonné, la grâce de Dieu te visite. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu se manifeste puissamment dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'ai dit, si tu viens de nous rejoindre, laisse ton commentaire. J'aimerais te saluer de manière particulière. Amen. J'aimerais te saluer. Ça ne fait que commencer. Nous ne faisons que commencer, bien-aimé. Donc, le Seigneur va se manifester encore puissamment ce soir. Je crois en cela. Si tel est ton désir, si tel est le désir de ton cœur, si toi aussi tu crois en cela, amen, tu mets en commentaire, je le crois. Je le crois. Alléluia. Moi, je crois en ce que le Seigneur va encore se manifester ce soir. Je crois que le Seigneur va encore toucher et localiser les vies. Je crois que le Seigneur va amener sa fécondité dans la vie de quelqu'un ce soir. Amen. Dans la vie de quelqu'un ce soir, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous avons, que j'ai intitulé le thème de ce soir, le Dieu de la fécondité. Parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est un Dieu de fécondité. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu stérile. Bien aimé, je ne veux pas encore rentrer dans le vif du sujet. Parce que les partages ne sont pas encore à la hauteur. Bien aimé, j'aimerais que tu me partages le direct, s'il te plaît. Partage-moi le direct, s'il te plaît. Tu partages et tu mets en commentaire, prophétesse, j'ai partagé le live. Partage-moi le live, s'il te plaît. Bien aimé, pendant que tu partages, tu joues le rôle d'un évangéliste. Pendant que tu partages, la grâce de Dieu est sur toi. Waouh, shalom à Janita, tu es béni. Shalom à Eloali. Excusez-moi si j'écorche les noms, mais vous êtes béni au nom de Jésus. Partage-moi le direct, bien aimé, s'il te plaît. Partage. Si tu viens de te connecter avec nous, tu es béni. Tu es au bon endroit. Shalom à Françoise, tu es béni. Partagez s'il vous plaît, mes bien-aimés. Partageons. Faisons monter ce live ce soir avant de commencer à mettre le feu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur s'apprête à faire ce soir dans la vie de quelqu'un, ça me donne la joie au cœur. J'ai la joie au cœur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, sois actif. Et sois concentré jusqu'à la fin. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Ne laisse rien te distraire ce soir. Parce que ce soir, tu reçois la fécondité. Parce que le Dieu que nous servons, il est un Dieu de fécondité. Le Dieu que tu sais, le Dieu que je sais, l'éternel Dieu des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est un Dieu de fécondité, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Dieu que nous servons ce soir, Marie-Claire dit, j'ai partagé dans 20 groupes prophétesses. Waouh, tu es béni au nom de Jésus. Que tes partages soient à la dimension des partages de Marie-Claire. Alléluia. Partage, bien-aimé, comme jamais. Partage comme jamais. Afin que le maximum de personnes viennent recevoir la fécondité. Afin que le maximum de personnes, d'enfants de Dieu, viennent ce soir afin de recevoir la fécondité. La fécondité que seul le Dieu des armées a la capacité de nous donner, bien-aimés. Parce qu'il n'y a personne, sur cette terre qui puisse nous donner la fécondité comme l'éternel des armées. Amen. Il y a des personnes qui vont voir des marabouts, qui vont voir des charlatans, qui vont voir des diseurs de bonne aventure, en espérant de recevoir de la fécondité. Mais bien aimé dans le Seigneur, sachez que la fécondité que les gens vont rechercher chez les diseurs de bonne aventure, les marabouts, bien aimé, c'est la stérilité au contraire. Parce que la seule personne qui a cette capacité de donner la fécondité, c'est l'éternel, le Dieu des armées. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous servons. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est ici? Si tu es là, bien aimé, manifeste-toi dans tes commentaires. J'aimerais te voir actif dans les commentaires. J'aimerais voir ta manière d'interagir, bien aimé.
Parce que ce qui va se passer ce soir, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est à l'œuvre et il a commencé déjà à faire. Il a déjà commencé à faire. Yes. Bien-aimés, nous allons prier pour recommander ce moment à l'Éternel. Nous allons invoquer sa présence et lui demander de prendre le total contrôle de ce live. Père, nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te remettons, Seigneur, ce moment, ce live, Seigneur, le moment, ce moment où tu as permis que nous soyons dans ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci, Seigneur. À toi soit toute la gloire, toute l'honneur, toute l'élévation, Seigneur. Papa, nous te disons merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous as encore prêté jusqu'à ce moment maintenant. Père, nous te disons merci, Seigneur, car nous n'avons rien fait pour mériter cela. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la protection, Seigneur. Merci pour la santé. Merci pour la vie, Seigneur. Merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, d'être connecté, Seigneur, dans ta présence ce soir. Nous te bénissons, nous te rendons grâce aux infinies actions de grâce, Père éternel. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les péchés, Seigneur. Tous les péchés que nous avons pu commettre, Seigneur, tout au long de la journée. Papa, nous venons te demander pardon au nom de Jésus. Seigneur, lave toute personne qui est connectée à ce direct. Restaure, Seigneur, toute personne qui est connectée à ce direct. Pardonne, Seigneur, les péchés de toute personne connectée à ce direct maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que ta grâce, Seigneur, est sur nous. Merci Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons nos infinies actions de grâce. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es Dieu. Père, nous te prions que tu prennes le total contrôle, Seigneur, de ce moment. Que ton esprit, Seigneur, agisse, Seigneur, et se mou et ton esprit, Seigneur, continue, Seigneur, de se mouvoir, Seigneur, en nous pendant ce live. Père, fais taire tout esprit de la chair et que seul ton esprit soit manifesté ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni es-tu, Père éternel, pour qui tu es. Béni es-tu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen, 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 amen. Yes, 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 yes. Bien-aimé, tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. Si tu viens de rejoindre ce live, bien-aimé, you are blessed. Amen. Welcome, tu es béni. Je te salue dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimé, quelle est la raison pour laquelle nous sommes en live ce soir? Nous sommes connectés ce soir pour parler du Dieu de la fécondité. Le Dieu de la fécondité, bien-aimé. Mets-le en commentaire si tel est ton partage, si tel est ton partage. Si tu veux voir le Dieu de la fécondité agir dans ta vie, si tu veux voir le Dieu de la fécondité agir dans tous les domaines de ta vie, bien-aimé, lorsqu'on parle de la fécondité, on ne parle pas seulement de la procréation. Parce que des fois, quand on dit la fécondité, les gens pensent seulement à la procréation. Non. Bien-aimé dans le Seigneur, la fécondité concerne toute une vie, toute une vie, toute une vie. Amen. Nous allons rentrer dans ça. Alléluia. Nous parlons du Dieu de la fécondité. Le Dieu de la fécondité. Si tu veux voir l'intervention du Dieu de la fécondité dans ta vie, bien-aimé, je te laisse mettre en commentaire le Dieu de la fécondité, le Dieu de la fécondité. Amen, amen. Le Dieu de la fécondité. Amen. L'Éternel, amen. L'Éternel dit, quand l'Éternel a fait, quand Dieu a demandé à Noé de construire l'arche pour qu'il se réfugie dedans parce que le Seigneur voulait détruire la terre. Amen. Le Seigneur a détruit la terre. Il a caché cela. Il a caché cela aux yeux des hommes. Mais Dieu a trouvé bon de révéler cela à Noé. De révéler cela à Noé. Amen, amen. Il a révélé cela à Noé. Il a donné des instructions à Noé. Il a donné des recommandations à Noé que Noé a suivi à la lettre. Noé a écouté ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Noé a écouté ce que Dieu lui a demandé de faire. Et lorsque Dieu a fini de détruire la terre parce que la terre était remplie de méchanceté, la terre était remplie de péché, la terre était remplie de cupidité, la terre était sale. Elle était désagréable aux yeux de Dieu. Et Dieu a commencé à avoir dans son cœur, dans son esprit, il a commencé à regretter la raison pour laquelle il a créé l'homme. Amen. Il a commencé à regretter cela. Mais il a plu à Dieu de révéler cela à Noé. Il a plu à Dieu de révéler cela à son serviteur, afin que son serviteur puisse être à l'abri. Amen. Et de conserver certaines espèces animales. Amen. Conserver des espèces animales deux par deux.
quand Dieu a fini sa mission, la destruction totale de la terre, quand Dieu a fini cela, il a donné des nouvelles recommandations à Noé. Il a donné de nouvelles recommandations à Noé en disant ceci. Dans le livre de Genèse 9, en son verset 1, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Le verset 7, il dit, « Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la surface de la terre. » Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Amen. Tout ce qui produit, tout ce qui est productif, tout ce qui permet de multiplier, c'est la fécondité. Et ce n'est que Dieu qui a cette capacité-là de donner la fécondité. Donc Dieu a demandé à Noé et à ses enfants, parce que Noé était rentré dans l'arche avec ses enfants. Il a demandé à Noé et à ses enfants. Amen. Quand ils sont sortis de l'arche, quand il les a relâchés, quand il leur a donné la permission de sortir, amen, quand tout avait déjà été accompli, il leur a dit, multipliez la terre, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes dont les vies sont stériles, dont les vies sont stériles, que ce soit dans le domaine de l'enfantement. Il y a la stérilité. Il y a des personnes qui expérimentent la stérilité dans le domaine de la santé, dont ta santé est stérile. Il y a des personnes, bien-aimées, qui font du commerce. Qui font du commerce, mais dans le commerce, il y a la stérilité dans ton commerce. Amen. Il y a des personnes qui travaillent, qui vont au travail tous les jours, mais le travail-là est stérile, bien-aimées. Il y a des personnes qui font des activités, mais leurs activités sont stériles. Ce n'est pas productif, c'est-à-dire que tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne produit pas. Quelque chose qui ne produit pas, c'est la stérilité. Du moment où quelque chose que tu fais ne te réussit pas, bien-aimé, ce domaine-là, c'est un domaine qui est stérile. Et seul le Dieu de la fécondité a la capacité de rendre ce qui est stérile fertile. Il a la capacité de rendre ce qui est stérile fécond. Amen. Le Dieu de la fécondité. Nous parlons ce soir du Dieu de la fécondité. Bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé ce direct, partage au maximum. Partage ce direct au maximum, au maximum, au maximum. Au maximum, parce que pendant que je suis en train de parler, je vois des personnes qui sont connectées à ce live, dont les vies sont stériles, dont les vies sont stériles et ont besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité dans leur vie ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de parler, je vois des personnes qui sont connectées à ce live, qui ont besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité. Le Dieu de la fécondité, tu as besoin de son intervention. Pendant que je suis en train de parler, je vois, il y a une femme qui est connectée à ce direct. Il y a une femme qui est connectée à ce direct, qui a besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité dans son foyer. Dans son foyer. Cette personne est avec quelqu'un. La personne vit avec quelqu'un. Mais le mariage tarde. Quelqu'un qui vit dans le concubinage. Une femme qui est connectée à ce direct. Et expérimente la stérilité dans le domaine du mariage. Dans le domaine du mariage. C'est stérile. Tu vis dans le concubinage, mais le mariage ne vient pas. Tu vis dans le concubinage, mais il n'y a pas de mariage. Tu as besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité afin que tu sortes du concubinage et que tu rentres dans le mariage. Partage-moi ce direct, bien-aimé, s'il te plaît. Partage ce direct. Le Dieu de la fécondité veut localiser quelqu'un ce soir. Le Dieu de la fécondité veut se manifester dans la vie de quelqu'un ce soir. Je dis, le Dieu de la fécondité veut se manifester. Nikes de victoire dit c'est moi. Yes. Je dis le Dieu de la fécondité. J'ai dit, il y a quelqu'un qui vit dans le concubinage et qui a besoin du Dieu de la fécondité pour que le mariage soit
son partage ce soir. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité, que le Dieu de la fécondité intervienne dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de la fécondité intervienne dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que tu sortes du concubinage et que tu rentres dans ton mariage au nom de Jésus. Que tu sortes du concubinage et que tu rentres dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité t'ouvre les portes du mariage au nom de Jésus. Que le Dieu de la fécondité t'ouvre les portes du mariage au nom de Jésus-Christ. Que le concubinage soit banni de ta vie maintenant au nom de Jésus. Que le concubinage soit banni de ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Pendant que je suis en train de prier pour cette personne, pendant que je suis en train de prier pour cette personne, le Seigneur dit dans mon esprit, le Seigneur me parle à mon esprit et me dit, ce n'est pas la première fois qu'on intercède pour cette personne. Ce n'est pas la première fois qu'on prie pour cette personne. Mais ces choses ne se réalisent pas. Mais ces choses ne se réalisent pas. Ces choses ne se réalisent pas. Je vois comme l'Afrique de l'Ouest. 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 Mais j'aimerais dire à cette personne, amen, qui m'écoute. J'aimerais dire à cette personne qui m'écoute que la solution pour que le mariage soit effectué dans ta vie, c'est d'abord de faire une séparation. Parce que tant que tu donnes l'opportunité à cette personne de se sentir mariée, tant qu'il n'est pas encore marié, il ne viendra pas t'épouser. Il ne viendra pas t'épouser, il ne viendra pas t'épouser. La personne met en commentaire, c'est une vraie prophétesse. Je dis, tant que tu donnes l'occasion à cette personne de vivre maritalement lorsqu'il n'est pas marié, il ne viendra pas t'épouser. Donc la solution à ce problème, c'est d'abord une séparation. Et s'il veut vraiment, faire de toi sa femme, s'il veut vraiment faire de toi sa femme, il viendra te chercher. Il viendra t'épouser. Amen. Ainsi parle l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons avancer. Qui a partagé le direct? Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous parlons ce soir du Dieu de la fécondité. Le Dieu que nous servons est un Dieu de la fécondité. Le Dieu de la fécondité, le Dieu qui brise toute stérilité. Le Dieu qui brise toute stérilité. Tout domaine stérile de ta vie est brisé ce soir au nom de Jésus. Je décrète et je déclare sur ta vie, bien-aimé, au nom de Jésus. Partagez et tapotez le live, s'il vous plaît. Faites monter le live, faites monter le live. Et bien aimé sur TikTok, tapotons le live plus que jamais. Alléluia. Faites monter le live, faites monter ce live au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, le Dieu de la fécondité me montre ceci. Le Dieu de la fécondité me montre quelqu'un qui est connecté à ce direct. Quelqu'un qui est connecté à ce direct, qui expérimente la stérilité dans ses affaires. Dans ses affaires, plus précisément dans le commerce, plus précisément dans son commerce, il y a de la stérilité, les choses n'avancent pas. Le commerce est stagnant, il est stérile. Amen. Le commerce, il est stérile. Quelqu'un qui est connecté à ce direct, qui expérimente la stérilité au niveau de son commerce, au niveau de son commerce. Et j'aimerais prier pour cette personne, afin que le Dieu de la fécondité, afin que le Dieu de la fécondité puisse rendre ce commerce fécond. Afin que le Dieu de la fécondité puisse rendre ses activités fécondes par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Donc si c'était ton cas, manifeste-toi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Et le Dieu de la fécondité va ouvrir tes affaires. Le Dieu de la fécondité va ouvrir ton commerce. Le Dieu de la fécondité va ouvrir tes activités au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. J'ai parlé tout à l'heure de commerce. Mais en même temps, je vois quelqu'un d'autre qui est connecté. Qui a comme une entreprise. Qui est comme en train de débuter une entreprise. Et la personne a l'impression que ça ne va pas. Que rien ne va. Que rien ne va. Et la personne est même en train de réfléchir. La personne est comme en train de réfléchir de fermer. Mais la personne est en train de débuter une entreprise.
et ce n'est pas en train de fonctionner. Et tu as besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité dans tes activités, dans ton entreprise. Pascaline dit c'est moi, Évariste dit c'est bien moi. Alléluia. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Je prie pour toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité touche tes affaires maintenant. Que le Dieu de la fécondité intervienne dans ton commerce maintenant. Que le Dieu de la fécondité intervienne dans tes entreprises maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité libère la fécondité dans tes activités. Que la fécondité soit libérée dans ton travail. Que la fécondité soit libérée dans ton commerce. Que la fécondité soit libérée dans ton activité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La fécondité de Dieu est libérée maintenant. Dans ton activité, dans tes entreprises. Dans ton travail, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton commerce est libéré, est fécond à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié, amen. C'est fait, au nom de Jésus, le Dieu de la fécondité, a libéré la fécondité au sein de vos activités, au sein de votre commerce, au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Pendant que je suis en train de parler du Dieu de la fécondité, il y a une femme qui est connectée à ce live qui m'écoute, qui est en train de dire en son esprit que ma maman est en train de prier pour le Dieu de la fécondité pour les autres domaines. Mais elle n'est pas en train de prier pour le Dieu de la fécondité pour mes entrailles. Il y a une femme qui est connectée à ce live, à ce direct, qui a besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité pour ses entrailles. Cette femme aspire aux fruits de l'enfantement. Elle a besoin de concevoir. Et elle prie à Dieu, elle crie à Dieu pour cela. Bien-aimé, manifeste-toi, nous allons prier. Et le Dieu de la fécondité va intervenir dans tes entrailles au nom de Jésus. Je dis, le Dieu de la fécondité va intervenir dans tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est moi, quelqu'un dit c'est moi. Quelqu'un met en commentaire c'est moi. Bien-aimé, partagez-moi ce direct s'il vous plaît. Parce que beaucoup d'autres personnes ont besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité dans leur vie. Bien-aimé, beaucoup d'autres personnes ont besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité. Ils aspirent à cela, ils aspirent à cela. Tel est le désir de leur cœur. Donc, bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé, partage-moi ce direct, s'il te plaît. Toi, femme qui m'écoute, qui crie à Dieu pour le fruit de l'enfantement, je te prie de bien vouloir poser la main droite sur ton ventre maintenant. Et nous allons déclarer et relâcher ce bébé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne, toute femme connectée à ce direct qui aspire au fruit de l'enfantement, Seigneur. Femme mariée qui est connectée à son direct, qui aspire au fruit de l'enfantement. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu de la fécondité intervienne au nom de Jésus. Que le Dieu de la fécondité intervienne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, toute femme connectée à ce live maintenant, qui aspire au fruit de l'enfantement, posez la main droite sur votre ventre et connectez-vous à cette prière maintenant au nom de Jésus. Et le Dieu de la fécondité agit maintenant. Je dis, le Dieu de la fécondité va agir maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour toute femme mariée connectée à ce direct, qui aspire au fruit de l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité ouvre vos entrailles maintenant. Que vos entrailles soient ouvertes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
que vos entrailles soient ouvertes maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare les entrailles ouvertes maintenant au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que le Dieu de la fécondité ouvre ses entrailles maintenant. Que ses entrailles soient ouvertes maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ses entrailles soient ouvertes maintenant au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu ouvres les entrailles maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la fécondité agit dans vos vies maintenant. Le Dieu de la fécondité agit dans vos vies maintenant. Le Dieu de la fécondité agit dans vos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage-moi le direct, bien-aimé. Le Dieu de la fécondité agit. Tapotez également, je ne vois pas vos cœurs, bien-aimés. Faites monter le live afin que le maximum de personnes viennent recevoir les bienfaits du Dieu de la fécondité ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les entrailles sont libérées maintenant. Les entrailles sont libérées maintenant. Les entrailles sont ouvertes maintenant. Le Dieu de la fécondité vous libère maintenant. Vous accorde la fécondité au nom de Jésus-Christ. Vous accorde la fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier pour toi, le Seigneur me montre quelqu'un qui est connecté ici à ce direct, bien-aimé. Quelqu'un qui est connecté à ce direct, qui a besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité dans sa santé. Dans sa santé. Cette personne souffre dans sa chair. Cette personne souffre dans sa chair. Cette personne est malade. Cette personne est malade. Et cette personne souffre cruellement dans sa chair. Et prie à Dieu, mais rien ne se passe. Mais prie à Dieu, rien ne se passe. J'aimerais prier pour toi maintenant au nom de Jésus. Que le Dieu de la fécondité restaure ta santé. Que le Seigneur apporte la fécondité dans ta santé. Que le Seigneur apporte la fécondité dans ta santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur apporte la fécondité dans ta santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est moi maman, quelqu'un dit c'est moi maman. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne connectée à ce direct qui a besoin du Dieu de la fécondité dans sa santé. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité agisse dans vos santé au nom de Jésus. Toute personne qui a des problèmes liés à la santé. Toute personne qui a des soucis de santé. Toute personne malade connectée à ce live bien-aimé. Je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. Je déclare la fécondité sur ta santé maintenant. Je déclare la fécondité sur ta santé maintenant. Je déclare la fécondité sur ta santé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la fécondité sur ta santé maintenant. Je déclare la fécondité sur ta santé maintenant. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Reçois la fécondité dans ta santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un également qui a besoin de l'intervention de Dieu dans son sommeil. Dans ton sommeil, il y a quelqu'un ici, il n'y a même pas une seule personne, mais c'est plusieurs personnes qui m'écoutent actuellement, qui ont des problèmes, qui ont besoin de restauration dans leur sommeil, qui ont besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité dans leur sommeil, dans leur sommeil.
dans leur sommeil, dans le domaine du sommeil, dans le domaine du sommeil. Le sommeil n'est pas bon, le sommeil est troublé. Le sommeil est troublé, le sommeil est troublé. Et ils ont besoin de l'intervention du Dieu de la fécondité dans leur sommeil. Alléluia. Dans leur sommeil, je vais prier pour relâcher la fécondité dans le sommeil de quelqu'un ce soir. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, partage le direct. Et mets un commentaire, prophétesse, j'ai partagé le direct. Ce que le Seigneur est en train de faire ce soir, c'est juste extraordinaire. Ce que le Seigneur est en train de faire ce soir, c'est juste phénoménal. Ce que le Seigneur est en train de faire ce soir, il est en train de restaurer les vies. Il est en train de relâcher sa fécondité dans les vies de tous ses enfants maintenant. Le Seigneur est en train de relâcher la fécondité dans les vies. Il relâche la fécondité dans les vies maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Donc si tu es connecté, tu n'as pas encore partagé, s'il te plaît, partage ce direct. Il y a quelqu'un qui dit, prie pour moi maman, il n'y a pas de problème. Nous allons arriver au moment des sujets de prière. Et quand ça sera le moment, je vous dirai, vous allez mettre les sujets de prière en commentaire. Et je vais prier pour vous au nom puissant de Jésus. Et je vais prier pour vous. J'ai dit, il y a quelqu'un qui a besoin de la restauration dans son sommeil. La fécondité dans son sommeil. Et quelqu'un me met en commentaire, je ne dors pas très bien. Mais tu n'es pas la seule personne, il y en a plusieurs. Quelqu'un d'autre me met en bas, maman c'est moi. Je veux prier pour vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous restaure vos sommeils au nom de Jésus. Seigneur, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, accorde la fécondité dans le sommeil de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Seigneur, que le sommeil de quelqu'un soit restauré au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui troublait les sommeils, Seigneur, tout ce qui troublait les sommeils, soit anéanti maintenant par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que tout ce qui troublait les sommeils au nom puissant de Jésus, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un d'autre dit moi-même perturbé. Je relâche maintenant la fécondité dans vos sommeils au nom de Jésus. Que vos nuits soient fécondes au nom de Jésus-Christ. Que vos nuits soient faites pour des visitations divines au nom de Jésus. Que vos nuits soient faites pour les visitations angéliques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Yes. C'est dans le même contexte. Quelqu'un dit, je ne me souviens pas de mes rêves. C'est le même contexte pour restaurer. Pour restaurer les sommeils au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le même contexte. Alléluia. Les sommeils sont restaurés. Les sommeils sont restaurés. Recevez la fécondité dans vos sommeils. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit, prophète, mon sommeil est troublé. Nous avons prié le Seigneur à restaurer les sommeils. Les sommeils sont restaurés. Les nuits sont restaurées. Les rêves que vous oubliez sont restaurés au nom de Jésus. À partir de maintenant, vous allez retenir vos rêves. Vous allez vous souvenir de vos rêves. Tapotons le live, s'il vous plaît. Tapotons le live. Il y a quelqu'un qui me dit, il y a un corps étranger dans mon corps qui bouge. Alléluia, alléluia. Il y a un corps étranger dans ton corps qui bouge. C'est à l'instant ou bien c'est dans ton sommeil. C'est à l'instant où nous sommes en train de prier ou bien c'était, je ne sais pas. Précise-moi bien, s'il te plaît. Toi qui dis qu'il y a un corps étranger dans ton corps qui bouge. Yes. Quelqu'un dit, mon sommeil est souvent troublé, j'oublie mes rêves. Tes rêves sont restaurés au nom de Jésus. Tes rêves sont restaurés au nom de Jésus. Reçois la fécondité dans tes rêves au nom de Jésus. Afin que tu ne puisses plus oublier tes rêves au nom de Jésus. Afin que tu puisses retenir tes rêves au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Afin que tu puisses retenir tes rêves. Pour que tu puisses t'en souvenir le matin. Quelqu'un qui dit le rêve et le sommeil de ma fille sont restaurés. Alléluia, c'est restauré au nom de Jésus. Ton sommeil, ton rêve, c'est restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons le direct de l'ennemi. Partage. Tu mets un commentaire, prophète, j'ai partagé le direct. Ce soir, nous invoquons la présence du Dieu de la fécondité. Et le Dieu de la fécondité est en train de se manifester dans la vie de tout un chacun. Beaucoup de personnes sont en train d'expérimenter cela ce soir. Et c'est juste extraordinaire. Vous pouvez en témoigner, le Dieu de la fécondité. Je prie maintenant pour toi qui dis, je souffre beaucoup de la tête et la nuit.
Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité restaure ta tête au nom de Jésus. Que le Dieu de la fécondité restaure ces maux de tête au nom de Jésus. Cette tête qui te trouble la nuit, je prie que le Seigneur te restaure de cela. Que le Seigneur te restaure de cela au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure de cela au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure de cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Père éternel parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu te manifestes. Merci Seigneur parce que tu restaures les vies au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restaures les vies au nom de Jésus. Merci parce que tu restaures les santé au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restaures au nom de Jésus. Parce que tu restaures ton peuple au nom de Jésus. Parce que tu restaures tes enfants au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez la restauration du Dieu de la fécondité ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Quelqu'un dit le sommeil de mes enfants est agité. Le sommeil de tes enfants est restauré au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Dieu de la fécondité, le Dieu de la fécondité restaure le sommeil de tes enfants au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui dit je dors 3 à 4 heures. Amen, prophétesse. Je prie que le Seigneur restaure. Si ton sommeil est troublé, que ce sommeil soit restauré. Que ce sommeil soit restauré au nom de Jésus. Que ce sommeil soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Mettez-moi vos sujets de prière en commentaire, je vais prier pour vous. Si vous avez des sujets de prière particuliers, mettez-les en commentaire, je vais prier pour vous. Et le Dieu de la fécondité agit au nom de Jésus. Si tu es nouveau, si c'est la première fois que tu nous écoutes, bien aimé, je te laisse mettre en commentaire, c'est la première fois. J'ai une parole pour toi ce soir. Si tu m'écoutes pour la première fois, si tu es connecté avec nous pour la première fois, mets-le en commentaire, prophétesse, c'est la première fois. Amen. Et j'aimerais t'adresser une parole ce soir. Si tu es connecté avec nous pour la première fois, tu es mon invité spécial. Et j'aimerais te parler de manière particulière. Si tu es connecté avec nous ce soir pour la première fois, je te laisse me mettre en commentaire, prophétesse, c'est la première fois. Prophétesse, c'est la première fois. Alléluia. Alors, Prisca me dit, prophétesse, c'est la première fois. Waouh, Prisca. Great Havila me dit, prophétesse, c'est la première fois. Tu es béni, prophétesse. Tu es béni, Prisca. Tu es béni, Great Havila. You are blessed. Amen. You are blessed in the mighty name of Jesus Christ. Abonne-toi, s'il te plaît. Si tu es nouveau déjà, abonne-toi. Astrid me dit, c'est la première fois, prophétesse. Waouh, you are blessed. Cécile Maki me dit, c'est la première fois, prophétesse. Tu es bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Vous n'êtes pas tombé sur ce live au hasard. C'est la grâce de Dieu parce que le Seigneur veut faire quelque chose de particulier avec vous. Amen, amen. Pascaline me dit, c'est la première fois. Bien-aimé, si tu es connecté avec moi pour la première fois ce soir, s'il te plaît, abonne-toi. La première des choses à faire avant de continuer ce live, abonne-toi et viens me mettre en commentaire. Prophétesse, je me suis abonné. Prophétesse, je me suis abonné. Prophétesse, je me suis abonné. Amen, amen. Prophétesse, je me suis abonné. Donc, abonne-toi et mets-le-moi en commentaire. Prophétesse, je me suis abonné. La grâce de Dieu est sur toi pendant que tu le fais. Noël Manou me dit, c'est la première fois. You are blessed, Noël Manou. Tu es béni. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Honorine me dit, c'est la première fois. Bien-aimé, vous êtes béni au nom puissant de Jésus-Christ. Abonne-toi et viens me mettre en commentaire. Prophétesse, je me suis abonné. Greg Avila me dit, prophétesse, je me suis abonné. Tu es béni au nom de Jésus. Je me suis abonné, Jika. Yes, you are blessed. Amen. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont nouveaux et qui se sont abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes régulièrement connectés. Nous sommes connectés presque tous les jours. Amen pour des lives. Et le Seigneur se manifeste puissamment dans la vie de tout un chacun. Toute personne qui est ici, qui n'est pas là pour la première fois, ils peuvent témoigner de ce que le Seigneur fait au sein de ce ministère. Amen. Nous ne sommes pas connectés pour nous amuser. Mais le Seigneur agit puissamment. Le Seigneur agit puissamment. Astrid me dit, je me suis abonné. Tu es béni. Amen, amen. Wadio me dit, c'est la première fois. Amen. Et je me suis abonné. Waouh. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Rama me dit, c'est la première fois. Rama, abonne-toi. Abonne-toi pendant que tu le fais. Le Seigneur te bénit également. La grâce et la main de Dieu sont sur ta vie. Oh, c'est la première fois. Bien-aimé, excusez-moi. Moi, je prends le temps pour saluer les nouvelles personnes. Amen. Même si ça prend quelques temps, je prends le temps pour saluer les nouvelles âmes. Amen. Les nouvelles âmes qui viennent à Christ au sein de ce ministère. Donc, c'est important. C'est important. C'est important.
Nous allons continuer la prière. Ça ne veut pas dire que la prière s'est arrêtée, que la prophétie s'est arrêtée. Non. Mais je prends le temps pour saluer les enfants de Dieu. Amen. Qui sont connectés avec nous pour la première fois. Donc vous êtes bénis pendant que vous vous connectez, pendant que vous vous abonnez et pendant que vous partagez également. Bien aimé, certainement c'est au travers du partage de quelqu'un que tu es tombé sur ce live. Donc je t'invite également à faire de même, à inviter quelqu'un à se connecter avec nous, à partager dans le maximum de groupes dans lesquels tu es abonné, afin que quelqu'un puisse venir recevoir sa guérison, sa délivrance et sa restauration ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Kimi me dit bonsoir, bonsoir Kimi, you are blessed. Amen, tu es béni. Alléluia, alléluia, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Donc, je salue chaleureusement toutes les nouvelles personnes qui sont connectées avec nous ce soir. Et je vous invite à vous abonner et à, voilà, à vous abonner massivement. Soyez abonnés et le Seigneur vous bénit. Amen. Le Seigneur vous bénit. Amen, amen, amen. Alors bien aimé, je te laisse mettre ton sujet de prière en commentaire. Mets-moi ton sujet de prière en commentaire. Excusez-moi s'il vous plaît. Waouh, 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 vous êtes bénis. Mets-moi ton sujet de prière en commentaire, bien aimé. Et je prie pour toi maintenant au nom de Jésus. J'implore la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie. Et le Seigneur se manifeste puissamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit, je veux me marier, je veux me marier. Alléluia. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'ouvre les portes du mariage au nom de Jésus. Que les portes du mariage soient ouvertes grandement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la fécondité agisse dans le domaine marital de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui t'empêchait de te marier, j'ai brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'empêchait d'entrer dans la gloire maritale est brisé maintenant par le feu et par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui veut se marier se connecte à cette prière et reçoit la même grâce. La même grâce est sur toi. Si tu aspires au mariage au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare sur ta vie maintenant que ton mariage est libéré au nom de Jésus. Que ton mariage est libéré au nom de Jésus-Christ. Que ton mariage est libéré au nom de Jésus-Christ. Ton mariage est libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu ouvres les portes du mariage. Parce que tu ouvres les portes du mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. Moussa, tu es béni. Tu dis c'est la première fois. Abonne-toi Moussa. Abonne-toi, abonne-toi et partage le direct également. La grâce de Dieu est sur ta vie. You are blessed in the name of Jesus Christ. Alléluia. Envoyez-moi vos sujets de prière, bien-aimés. Je suis là pour prier pour vous. Je suis là pour prier pour vous. Je suis là pour prier pour vous. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un dit, maman, mon entreprise attend un résultat d'un appel d'offre. Priez pour mon entreprise. Amen. Diawara Consulting. Père, je prie, Seigneur, pour cette entreprise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que cette entreprise, Seigneur, soit fructif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette entreprise, Seigneur, grandisse au nom de Jésus. Seigneur, que l'appel que cette entreprise attend, Seigneur, soit relâché maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité du Saint-Esprit agissant au sein de ce ministère, Seigneur, relâche ta grâce sur cette entreprise au nom de Jésus. Mets un témoignage vivant, Seigneur, dans la bouche de cette personne maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, on a prié. Alléluia, c'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit, c'est la première fois aussi. Merlin, tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Abonne-toi et partage le direct afin que le maximum de personnes également soient bénies par ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Toutes les nouvelles personnes, je vous invite, abonnez-vous
pour ne manquer aucun de nos lives à venir. Mets ton sujet de prière, bien-aimé. Je suis là pour prier pour toi. Je suis là pour appeler l'intervention divine sur ta vie au nom de Jésus. Quel qu'en soit le domaine de ta vie, bien-aimé, nous prions et le Seigneur agit par sa fidélité. Je dis, quel qu'en soit le domaine de ta vie où tu as besoin que le Seigneur intervienne, il interviendra. Quelqu'un qui dit prière pour Nicole, travaille et que le Seigneur ouvre les portes. Je prie pour Nicole maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur lui accorde la grâce du travail. Et que toutes les portes fermées de sa vie soient ouvertes par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que toutes les portes fermées dans la vie de Nicole soient ouvertes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est au nom puissant de Jésus. On a prié. Amen, amen, amen. C'est fait au nom de Jésus. Bien-aimé, mets ton commentaire, mets ton sujet de prière. Si je n'ai pas lu ton sujet de prière, remets-le. C'est parce que les sujets de prière défilent tellement vite. Donc, ne te lasse pas de me mettre ton sujet de prière jusqu'à ce que j'ai prié pour toi. Jusqu'à ce que j'ai prié pour toi. Les bien-aimés qui sont sur TikTok, vous êtes bénis. Amen. Quelqu'un qui me dit, maman, s'il vous plaît, priez pour la paix entre mes frères et sœurs. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix soit dans ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise l'épée dans ta famille et que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne dans ta famille. Entre tes frères et sœurs, je brise toute épée et que la paix du Seigneur Jésus-Christ règne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia, c'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, mets-moi ton sujet de prière. Nous prions et le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Priez pour mon projet de voyage. Je prie pour ton projet de voyage au nom de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les portes du voyage. Que le Seigneur t'ouvre les portes des nations. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Que ce projet soit réussi au nom de Jésus. Que ce projet réussisse au nom de Jésus. Que ce projet réussisse au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Pendant que je priais, j'ai vu une croix verte comme ça. C'est-à-dire que c'est fait, c'est validé. Comme ça, une croix comme ça. Comme ça. C'est validé, validé, validé. Amen. C'est fait au nom de Jésus. Toute personne qui aspire à Dieu pour un projet de voyage, que le Seigneur vous accorde de la grâce. Que le Seigneur vous accorde de la grâce au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde de la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui dit prière pour un nouveau enfantement, ça fait 11 ans, je pense. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'ouvre les entrailles. Le Dieu de la fécondité t'accorde de la fécondité au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de la fécondité ouvre tes entrailles au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la fécondité t'ouvre les entrailles au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alléluia, c'est au nom de Jésus. J'ai oublié de te demander, est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié? Toi qui me demandes de prier pour un nouvel enfantement, est-ce que tu es marié? La prière que je fais pour l'enfantement, c'est effectif seulement sur des personnes qui sont mariées. C'est effectif seulement sur des personnes qui sont mariées. Amen. Amen, amen. C'est effectif seulement pour des personnes qui sont mariées. Donc si tu n'es pas marié, la prière n'est pas effective. Amen. M'adresse à toute personne qui est connectée, qui me demande souvent de prier pour l'enfantement. C'est que pour des personnes qui sont mariées. Donc si tu n'es pas marié, la prière que je fais n'est pas effective. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Mets-moi ton sujet de prière en commentaire, je prie pour toi. Quelqu'un me dit, prier pour que j'ai des marchés dans mon entreprise, que Dieu me donne beaucoup de contrats. Amen. Je prie pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accorde la grâce que tu aies des contrats. Que les contrats soient ton partage au nom de Jésus. Que les portes de ton entreprise te soient ouvertes au nom de Jésus. Que les portes de ton entreprise te soient ouvertes au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais m'adresser à toi, toi pour qui j'ai prié pour que tu aies des contrats dans ton entreprise. Amen. La prière que j'ai faite ne peut être effective qu'accompagnée.
qu'accompagné d'une offrande pour ton entreprise. Parce que quand vous commencez des activités, quand vous faites des activités, quand vous êtes dans le commerce, quand vous avez des entreprises, bien-aimés, il faudrait que ces entreprises soient confiées entre les mains de Dieu. Amen. Il faudrait que vos entreprises, que vous les confiez entre les mains, que vous recommandiez, amen, avec une offrande d'action de grâce, ces entreprises. Amen. Donc, c'est une recommandation divine que je te donne de faire une semence pour ton entreprise. La semence accompagnée de la prière, c'est ça qui feront booster ton entreprise. Ce sont les deux associés qui feront booster ton entreprise. Amen, amen. Donc, si tu as besoin de faire cela, si tu veux semer pour ton entreprise, si tu veux faire une offrande d'action de grâce pour ton entreprise, quelqu'un dit, je viens aussi, tu dis, je crois que c'est pour toi que j'ai prié pour l'entreprise. Tu dis, je viens aussi en France, comment vous voir? Alors, comment nous voir? Déjà, premièrement, pour entrer en contact avec nous, il y a le numéro de téléphone qui est sur le descriptif de la vidéo. Amen. Il y a, si tu rentres sur le descriptif de la vidéo, il y a le numéro de téléphone. Je crois que le numéro de téléphone, il est également épinglé sur le live. Donc, tu peux écrire au numéro de téléphone et voilà, nous allons te répondre. Tu viens en France souvent, nous avons des cultes dominicaux tous les dimanches. Tous les dimanches en Ile-de-France, en région parisienne, à l'adresse 133 route de la Reine, 92 100 à Boulogne-Billancourt, de 13h00 à 15h30. De 13h00 à 15h30. Nous avons les cultes tous les dimanches. Donc je m'adresse également à toute personne qui est connectée à ce live. Tous les dimanches, nous faisons les cultes dominicaux. Si tu es nouveau et que tu es en France, tu es à Paris et ses environs, tous les dimanches, nous avons les cultes dominicaux au 133 route de la Reine, 92 100 à Boulogne-Billancourt, de 13h00 à 15h30. Ne manque sous aucun prétexte, bien-aimé, nos cultes. Parce que ce que vous voyez que nous faisons en live là, c'est tout petit peu comme ça par rapport à ce qui se passe en présentiel à l'église de dimanche. C'est juste extraordinaire. Ce que le Seigneur fait les dimanches, bien-aimés, il n'y a pas de mots qui puissent quantifier cela, qui puissent décrire cela. Amen. Donc, je t'invite, tu es mon invité spécial ce dimanche, si tu es à Paris et ses environs. Mais si tu es dans d'autres nations, dans d'autres pays, dans d'autres, voilà, dans d'autres continents, tu peux également nous écouter en live comme ça, aux mêmes heures. Dans les mêmes heures, nous sommes en direct pour ceux qui sont dans d'autres nations. Et la même grâce également sera votre partage. Amen. La même grâce sera votre partage. Si tu as besoin de rentrer en contact avec moi, amen, le numéro de téléphone, il est épinglé sur le direct. Ou bien tu vas sur le descriptif de la vidéo. Le numéro de téléphone, il est également là. Si tu as besoin, amen, amen, si le Seigneur te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu au sein de ce ministère, avec une offrande, amen, si tu veux faire parvenir ta dîme, ta semence, ton offrande, ton action de grâce, et également tous les moyens par lesquels tu peux nous faire parvenir ton offrande, ta dîme, ta semence, ton action de grâce, il y a les coordonnées par lesquelles tu peux nous faire parvenir. Donc, nous avons, il y a le RIB qui est de la France, de l'Europe, voilà, tous ceux qui sont en Europe, en Amérique peuvent faire parvenir par le RIB, le PayPal. Il y a également en Afrique de l'Ouest, il y a Move Africa. Au Gabon, il y a Airtel Gabon. Au Cameroun, il y a Orange Money et MTN Money. Tous les moyens, bien aimés, qui sont possibles sont là, affichés sur le descriptif de la vidéo. Si tu ne trouves pas le moyen qui te convient, il n'y a pas de problème. Tu m'écris en WhatsApp, tu m'es prophétesse, je n'ai pas trouvé le moyen par lequel je peux faire parvenir mon offrande. Est-ce qu'il y a un autre moyen? Il y a toujours un moyen. Donc, bien-aimé, attache à ce ministère ta semence. Attache à ce ministère ton offrande. Attache à ce ministère, bien-aimé, ta dîme. Sois fidèle à ta dîme. Sois fidèle à ta dîme, bien-aimé. Ne manque sous aucun prétexte d'être fidèle à Dieu au travers de ta dîme. Parce que laisse-moi te dire que c'est ce que le Seigneur te donne en réalité que tu lui redonnes un dixième. Amen. Parce que si Dieu ne te donne pas la santé, il ne te donne pas le souffle de vie pour aller travailler, tu n'auras pas ce que tu as tous les fins du mois.
Donc, sois reconnaissant en Dieu, sois reconnaissant envers Dieu au travers de ta dîme, de ton offrande, de ta semence. Amen. Nous avons des projets actuellement d'acheter la salle. Il y a également le lien de la cagnotte qui est sur le descriptif de la vidéo. Tu peux aller sur le lien de la cagnotte et puis tu prends un engagement mensuel. Les montants sont à libre choix. Il y a également des montants qui ont été fixés. Tu peux dire que moi, je veux participer au sein de ce ministère tous les mois avec 100 euros, avec 200 euros, avec 500 euros, avec 1000 euros, avec 50 euros, pourquoi pas. Tous les moyens sont possibles. Tous les montants sont possibles. Donc, bien aimé, attache à ce ministère ta semence. Amen. Fais partie des bâtisseurs de ce ministère. Fais partie de ceux-là dont les noms seront écrits pour dire que telle personne a participé mensuellement pour l'achat de notre salle. Et le Seigneur se souviendra de toi. Et lorsque tu auras un problème, amen, le Seigneur se souviendra que cette personne a été un bâtisseur dans ma maison. C'est très, très important d'être bâtisseur dans la maison de Dieu. Amen. C'est très important. Pendant que tu le fais, le Seigneur te bénit. Pendant que tu laisses le Seigneur touche ton cœur, le Seigneur te bénit. Parce que pendant que je suis en train de parler, je vois qu'il y a des personnes. Il y a des personnes dont Dieu est en train de mettre à cœur, de faire ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sens que le Seigneur te parle, amen, n'endurcis pas ton cœur. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel des armées. Donc, bien aimé, sois fidèle à Dieu. Mettez les cœurs, partagez le direct. Partagez le direct, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Sois fidèle à Dieu avec ta dîme, avec ton offrande, avec ta semence. Amen. Tu veux également sceller ta guérison. Tu veux également sceller ta prophétie. Si tu veux également sceller ton témoignage. Amen. Tu peux également toujours faire parvenir ta participation, ton offrande, ton action de grâce. Tu veux dire merci à Dieu. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Amen. Pendant que tu le fais, que le Seigneur se souvienne de toi. Que pendant que tu le fais, que le Seigneur te bénisse abondamment. Pendant que tu le fais, que le Seigneur restaure et comble tes finances. Que le Seigneur multiplie tes finances au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur empêche aux dévoreurs de toucher à tes finances. Que le Seigneur te donne toujours la force d'avoir, d'aller travailler et de gagner encore plus. Pour que tu puisses être une bénédiction dans la maison de l'Éternel des armées. Amen. Sois un bâtisseur dans la maison de Dieu. Bien-aimé, c'est une recommandation. Sois un bâtisseur dans la maison de Dieu. Et pendant que tu le fais, le Seigneur te bénit. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur multiplie encore. Le Seigneur multiplie encore dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pendant que tu le fais, le Seigneur multiplie encore dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu es béni, amen. La grâce et la faveur de Dieu sont sur ta vie. La puissance de Dieu te localise, amen. J'ai été ravie de passer ce bon moment avec vous ce soir. Si je n'ai pas pu prier pour toi ce soir, bien aimé, Ce n'est pas bien grave. Nous sommes régulièrement connectés, comme je vous ai dit. Donc, si tu es abonné à nos comptes, chaque fois que nous serons en direct, tu seras notifié. Et je prierai certainement pour toi la prochaine fois. Donc, ne te décourage pas. Et le Seigneur t'a certainement béni d'une manière ou d'une autre, ce soir pendant ce live. Que toute l'honneur et la gloire soient toujours rendus à l'Éternel des armées. Amen. Que toute l'honneur et la gloire soient toujours rendues à l'Éternel des armées. Donc, bien aimé, je te bénis ce soir. Que la main du Seigneur continue d'agir puissamment dans ta vie. Continue de rester dans les voies droites de l'Éternel des armées. Amen. Et le Seigneur te fera du bien. Amen. Parce qu'il est le seul vrai Dieu. Le seul et l'unique vrai Dieu. Nul. Amen. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons été bénis ce soir et je rends grâce à Dieu pour cela. Je lui dis merci. Nous lui disons merci. Amen. Que le Seigneur te bénisse puissamment, abondamment.
Amen pendant que tu le fais. Et je te dis à très bientôt pour un prochain live. Amen, amen. Et je te dis shalom, shalom. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis. Amen. Et je vous dis shalom, shalom.